Salut à tous, c'est Makoyur Minou. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur le let's play du fangame Pokémon Makoyur Minou. Alors, j'ai eu des bons retours du premier épisode, ça vous a plu. Plusieurs personnes m'ont demandé la suite, donc du coup, on enchaîne. Alors, j'ai eu un petit peu Néo par mail, on a un petit peu discuté. Et du coup, il était conscient de certains petits soucis. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a demandé de lui réenvoyer mes fichiers, ce que j'ai fait. Et apparemment, il m'a tout nettoyé, tout bien. Et il m'a dit aussi qu'on pouvait récupérer l'intro, puisqu'il avait loupé. L'intro en fait ne s'était pas affiché, mais c'est pas trop grave. Donc du coup, merci à lui déjà, merci d'avoir fait le jeu, merci de prendre du temps pour corriger les petits bugs. Et puis nous on est reparti, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup hâte, très hâte de voir ce qui se passe par après. Alors. Salut, bon bah le jeu remarche, donc ça c'est Néo qui fait un petit message. Il faut que tu parles au gars en bas, en dehors, mais pas là-bas. Vas-y, pas à la gauche. Ok, je vois de qui il parle. Ok. Ensuite, voilà l'intro. Regardons-la. Ah, ça c'est mon tout premier logo de la chaîne YouTube. Bien le bonjour, je suis le prof Minou. Mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Les Pokémon sont des créatures très mystérieuses. Il existe de nombreux secrets à découvrir. Je les étudie, c'est mon métier, je suis chercheur. Les humains et les Pokémon vivent ensemble et parfois ils se retrouvent pour des combats de Pokémon. Alors bienvenue jeune dresseur dans la région de Mako. C'est énorme. Mais d'abord, quel est ton nom? Bon, on va s'appeler Minou, hein, mais c'était très bien Minou. Vous êtes si impatient que vous n'avez même pas changé votre nom. Bah non, c'est le mien. Vous allez vivre une aventure incroyable dans la région de Mako, faire des rencontres et devenir le meilleur dresseur. Alors vite, un monde de rêves et d'aventures vous attend. Eh ben, super, on est revenu en haut, ok. Je l'ai déjà vu. Voilà. Ok, bien bon jeu. En cadeau, voici 3 Super Balls. Oh, sympa Néo. Pour capturer un Pokémon, tu en auras besoin pour la suite. Il m'a dit aussi qu'il avait monté du coup le niveau des Pokémon qu'on trouvait. Donc je pense que finalement, ce sera pas une grosse rigolade. Alors ça, c'est le Gugus qui me parlait, je pense. On est en bas. Oh, un Midraco là-bas. Trop cool, c'est mon dernier à avoir. Ah oui, il parle de Pokémon Go. Et Dracolo est à moi. Il vient de taper la fille. Il vient de taper la fille. Alors là, jeune homme, on l'avait bien dit, Pokémon Go c'est dangereux, viens au poste. Avec moi mon garçon, les positions seront ravies. Ah d'accord, il a bousculé la fille, ok. Et il l'amène au flic en fait. Ok. Il l'a amené au flic, tranquillou. Alors, on avait été où? On avait passé l'arène. Parce que du coup, j'avais dit que j'enregistrais dans la foulée, chose que je n'ai pas faite. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite en fait traité l'image, le son, pour vous envoyer la vidéo tout de suite en fait. Voilà, j'étais très impatient d'avoir votre avis. Donc du coup, je sais qu'on avait fait l'arène. Alors toujours, j'ai ces petits soucis de touche que j'ai du mal à rentrer. Donc on est parti. Elle est dehors, elle, maintenant? Bonjour, je suis ici parce que tu ne peux plus rentrer dans ce centre. Ok. Ok, donc maintenant elle les soigne en plein air, ça tombe bien. Il fait beau, c'est cool. Alors. Est-ce qu'on essaye déjà de se trouver un petit Pokémon? Maintenant qu'on a des Hyper Balls. Des Super Balls, pardon. Dans n'importe quel jeu, on sait Lixie. Eh ben moi je vais le prendre en hommage à Cristal Bleu, on va se refaire un petit Nala. Niveau 3 maintenant, par contre il va falloir que je fasse gaffe. Ouais, je pense que ça va être super dur de capturer des Pokémon, je pense qu'il va falloir y aller direct sans affaiblir. Ok, on va essayer, on va espérer que ça passera. Ouh. Qu'est-ce que je peux faire moi aussi? Balayage, ça va le fumer. Bon, on essaye quand même. Allez, reste s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Cool. Cool, parce que...
Alors, pour ceux qui ont suivi les let's play, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais appelé Nalna au début. Nala. Ah merde, c'est... Je me trompe de touche. Ah! Nala, ok. Bon, je pense qu'il doit y avoir plus d'Elixir là-dedans. Donc on va peut-être pas s'attarder. Et on va avancer. Je vais faire la technique à l'ancienne. On va mettre l'Ixie en premier. Hop, hop. Malin, rivalité. Ok. Je suis Minette. C'est énorme. Personne ne peut me battre en combat Pokémon. Faisons un combat. Donc voilà, Minette, c'est mon personnage de Pokémon Cristal Bleu. Alors qu'est-ce qu'il va avoir comme... qu'est-ce qu'elle va avoir comme Pokémon? Ah, niveau 10. Niveau 10 quand même. Hein. Rigole pas la Minette. C'est vraiment super. En plus, c'est plein de petits détails, de petites références. Et c'est vraiment ce qui prouve qu'en fait que Néo est vraiment très 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 fidèle à la chaîne. Il connaît tous les petits trucs. J'espère que les autres seront pas trop violents. Est-ce que j'avais une potion? Waouh! Niveau 11! Je vais me faire allumer! Oh. Et bah, à vouloir y aller à la fleur au fusil, et bah, on se fait surprendre. Je suis assez choqué de... Je suis vraiment très choqué en fait du niveau de Minette. Alors là j'ai eu un gros coup de chance quand même, c'est qu'il a fait pas mal de chargeurs. Je vais remettre Nala au début. Oh j'ai pas vu c'était qui. Ça m'a l'air d'être un nom bizarre. Ah Filali. J'avais appelé Lily, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Niveau 12. C'est vraiment super. Moi, ça m'éclate. Ce jeu m'éclate. C'est un truc de malade. Alors, Pokémon... On va remettre Machoke. J'ai horreur des Pokémon qui spam le jet de sable. Ah voilà, ça y est, c'est parti. Il va me fumer. J'espère que la dernière attaque va passer. Oh putain. Allez, la chance, la chance. Non. Bon, ok. Ça risque d'être tendu quand même. L'intelligence artificielle est quand même chaude, hein.
Bon bah on est parti pour y aller. Le combat le plus passionnant du monde. Bon bah voilà, on est obligé de s'incliner devant Minette puisque c'est tout simplement moi. Donc on va pas compter cette défaite comme une défaite au final. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois que du coup on est retourné après notre bourg de départ. Ok. Du coup, on récupère une potion, ça me va. Medina, je suis pas fan du tout. Et ça va peut-être nous faire de l'XP facile, puisqu'ils sont niveau 1 pour l'XI en fait. Avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner voir un petit coup là. À la prochaine. On verra qui sera le premier à attraper les 4 bâches pour accéder à la ligne. Alors là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas eu à la battre au final. C'est pas plus mal parce que j'avoue que j'étais mal barré. Par contre je me ferai plus avoir. Ce que je vais faire c'est que on va avancer un petit peu là. Et à la fin de l'épisode je vais monter un petit peu en XP parce que ça fait mal là. Qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, il n'y a que du Lixi dans la zone donc pour l'instant on va pas... On attaque ? Allez, on attaque. Le combat. Ce sera l'épisode des combats, de la passion du combat. Le plus horrible ça aurait été que j'ai un coup, que je me prenne un coup critique là. Bon, j'ai déjà pris une deuxième attaque, c'est good. Ah, je peux pas sauter, c'est vrai. C'est pas trop grave, hein. C'est pas trop grave. J'en reviens pas comment Minette m'a fumé, mais vraiment. J'en reviens pas du tout. Hop, allez. On va aller voir ce que dit le dresseur. Bon, elle revient nous faire coucou, c'est cool. Elle doit bien nous aimer. Bon, faut pas en vouloir à Neo hein, s'il y a des 2-3 petits bugs parce que c'est vraiment pas... C'est pas évident à faire tout ça. Allez, on la refait. Voilà. On va voir ce que nous dit Bobby là. J'aime les shorts. La phrase culte des scouts. Visiblement des gamins. Alors, gamin Albert. Oh, il a beaucoup de Pokémon lui. Oh, et puis des nouveaux niveaux aussi. Qui c'est qui va encore se faire allumer? C'est Bibi.
Direct. Direct. Réveille-toi, j'ai pas de réveil. Te plaît. Néo nous a fait un jeu à la éclat-pourpre. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Pas ouf. Non. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. On va finir notre centre, notre épisode dans le centre, hein, comme d'habitude. Enfin, devant le centre pour le coup. Vu qu'on peut plus y rentrer. Je sais pas si c'est voulu qu'on puisse plus y rentrer. T'as le poudre d'eau, il m'a gonflé là. Oh là là. Bon, on va aller loin, Coco. Bon, va falloir que je revienne avec au moins un Alan niveau 10 pour être raccord avec les autres. Bon. Les shorts forever. Je perds quand même de l'argent. Ok. L'avantage, c'est que je récupère une potion. C'est la petite astuce, le petit. Hop, voilà. Me fait toujours avoir. Bon bah écoutez, on peut plus rentrer, on peut plus rentrer. Ce qu'on fait, c'est que de toute façon, hein, c'était un épisode un petit peu pas inutile, puisque bon, on a quand même avancé un petit peu, mais pas très loin, à cause de Minette. Et puis bah voilà, je me suis rendu compte que le jeu était pas si simple que ça. Néo a remis une bonne petite couche et au final, c'est pas plus mal. On va bien rigoler. Va juste falloir que je me remette à niveau. J'étais resté un petit peu dans l'idée que les dresseurs seraient un petit peu, voilà, assez faibles. Et bah du coup, c'est je pense que je vais encore en baver. C'est pas grave. Bon voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je vais aller tout de suite XP mes Pokémon. On se dit à un prochain épisode. Vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye.